matin dans les réseaux sociaux. Très bon matin. Bon voilà, donc ce que vous voyez ici, c'est à l'aéroport international de Ndjili. Le vol CAA vient d'être annulé. Comme vous le constatez, il est 18h. Le vol était initialement prévu à 8h du matin. Nous y sommes arrivés tous à 5h30 qu'on nous a demandé. Eh bien, c'est à 18h qu'on nous apprend que le vol est annulé. Et ils veulent remettre à chacun 20$ comme indemnisation. Alors que quand le passager rate le vol, c'est 100$ qu'il paye d'indemnité. Et donc, voilà l'organisation. Distanciation sociale n'est plus à respecter. Les gens ont perdu les résultats Covid qu'ils ont fait payer 30$ à l'INRB parce que ça expire aujourd'hui. Et nous ne savons pas demain avec quels résultats nous allons voyager. Voilà, on nous demande de repasser à 9h30 sans aucune assurance que réellement le vol va être organisé. Voilà, donc nous sommes là comme des idiots dans notre propre pays. Et voilà, et ça on appelle ça état de droit. Je pense qu'il va falloir que les CAA soient interpellés. Les députés qui cherchent des lois inutiles pour chercher à escroquer le pouvoir de la population. Voilà les problèmes majeurs qu'il faut régler de la population. Et voilà comment nous y sommes là comme des idiots en train de, voilà, d'attendre 20$ au lieu de 100$ d'indemnité que nous nous payons quand nous ratons les vols. Voilà, nous sommes à l'aéroport international de Ndjili. Dans la salle d'attente, en train d'attendre le vol CAA. Parce qu'ils n'ont pas obtenu. 4h du matin. Depuis 4h du matin. Papa, vous avez quitté chez vous à la maison à quelle heure? 4h du matin. Voilà. Et vous n'avez pas pu voyager pour quoi aujourd'hui? Parce que ça nous a escroqué. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo va aller droit au but, ne vous inquiétez pas. Ça part à la présidence tout de suite, ils vont la lire aujourd'hui et ils vont comprendre. Я бы так говорил, я что-то имею в виду, я буду в форме.